Salut tout le monde, KLB pour Watch the Match, aujourd'hui avec Joe pour un draft block Scars of Mirrodin. Salut tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a de merveilleux dans ce pack? On a un légionnaire qui est solide, sa pit driller c'est au-dessus de légionnaire tout le temps, on est d'accord? Ouais, 100%. Ok, qu'est-ce qu'on a les uns que je connais pas parfaitement toutes les cartes encore, ça c'est vite fait. C'est pas mal quand même. Je pense que c'est la c'est inférieur. Carte, c'est la, non, je pense que c'est la meilleure carte du booster. C'est la meilleure carte du booster? Ouais, clairement. Mais le mais c'est, ah, c'est, y a mieux, c'est mieux que Pit Driller. Il y a énormément de bonnes cartes dans le booster. Il y a ça, un peu ça fait quoi ça? Et on c'est pas mal ça, mais c'est vers cette la merde. Enfin, c'est un booster qui est quand même assez énorme. Il y a les deux meilleures communes du. Pit Driller et Légionnaire, c'est les deux meilleures communes ouais, pour toi de NPH. Il y a une des meilleures Unco, t'as deux Splicers, les deux meilleures. Ça c'est fort alors. Ça c'est vraiment vraiment énorme. Ouais, le format est beaucoup plus lent maintenant, non? Ouais, donc soit on part sur ça, mais c'est quoi? Il y a quoi comme archétype qui résulte de ça? Admiral Drake. Pitrier. On a Lucas Florent derrière nous qui. Qui nous saute sur Pitrier. Alors, sincèrement, le booster il est assez compliqué, on n'a pas trop de temps. Ça, qu'est-ce qu'il y a exactement comme archétype qui. Sur lesquels non, ça met bien? Bon, après, c'est Pitrier parce que c'est le pick safe, mais. Voilà, moi je serais été d'accord sur un Pitrier. Bah. Alors, ça c'est une race, non? Ça non, ça c'est nul. Ah non, absolument ça, c'est... pas. C'est Oblivion. Ah ok, il y a un slave, ouais, je connais un slave. Donc il y a Enslave, Vol Charge. A priori, c'est un slave sans trop de match. Il y a pas de match, mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il a pu prendre le joueur? Il a pris rare. Ah, c'est Unco ça? Ouais, c'est Unco. Attends, ça fait quoi? Et l'Unco Foil, donc c'est 4 Unco dans le booster. Donc le joueur a forcément pris. Ah, c'est un ring pour 6, ok. Ouais. Ok, bon, là on se lève donc, sans. Qu'est-ce qu'on fait passer? On fait passer un Volchar, peut-être qu'il y aura une wheel sur Parasitique. T'en penses quoi de ça? Moi je trouve ça complètement nul comme char. Alors en fait, selon certains archétypes, c'est vraiment utile. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que dans l'absolu, c'est un anti-bet qui est très très middle. Dans bleu noir, c'est correct. Dans les jeux plus contrôle, dans les jeux plus contrôle, c'est vraiment correct. Ok. Et ouais, sinon là c'est clairement Enslave le très très bon pick. Okay, alors là, okay. Ça c'est fort, c'est le Grave Digger. Ça, ouais. ça c'est très bien. J'ai plutôt tendance à même le faire la duresse que faire le Grave Digger parce qu'en fait ça enlève même les landes. Donc, ouais, c'est duresse sur non créature, c'est ça? Voilà, c'est ça, non créature. Okay. Donc parfois même ça enlève des landes et ça peut plomber une sortie. Ok, le noir a priori est ouvert, ce qui est plutôt une bonne. Je pense une que. Bonne chose. Ça c'est comment ça? Ça c'est moyen. Mais je me le suis déjà pris et c'est assez correct. En fait, le fait de donner un fact à la créature, ça peut t'exploser la gueule, mais en règle générale, c'est quand même un anti-bet qui est correct. Un anti-bet de contrôle lent, mais. Il y a souvent des cartes comme ça dans les formats, c'est souvent super chiant tout mais le temps. Mais t'as quand même remarqué également une Gambling Mine, un Thanadon, ça fait, je crois, quasiment le troisième compas, j'ai pas vraiment fait attention. Sinon, Thanadon, c'est quoi? C'est ça? C'est comment ça alors? Ça, c'est très très bien, enfin, c'est une question de goût, moi j'aime beaucoup. Mais je pense que le pick c'est Exarch pour vraiment cloter le noir. Ouais, a priori, et puis, c'est de toute façon, c'est une très match. Bonne carte. Et l'Overrun, il est comment, tu trouves, le petit Overrun? Enfin, l'Overrun, il est particulier à jouer. Mais c'est un vrai kill, c'est un overrun. Ok, mais vert c'est vite fait comme couleur, non? C'est la pire couleur. Vert c'est vite fait, mais ça s'associe très bien au bleu. De toute façon, toutes les couleurs s'associent vraiment bien au bleu, tellement qu'il est fort. Ok. Non, quoi qu'il en soit, dans ce pack là, bon, il y a Gaz Verdict, mais que je veux absolument pas piquer parce que je pense que c'est une des plus mauvaises cartes. Ouais, mais de tout NPH. Je suis d'accord avec toi, moi. C'est vraiment dégueulasse. Il faut vraiment, format, il faut vraiment jouer bleu noir avec 3 Pit Driller et 3 Boons pour refaire nos Pit Driller pour pouvoir tuer un truc correct. C'est vraiment dégueulasse. Gambling Mine, c'est semi-correct. Y a, alors, soit c'est Gambling Mine pour vraiment pas se. Pour faire un mini-commit sur une deuxième couleur, soit lui. Sinon c'est Spire Monitor. Mm-hmm. Là, c'est soit on s'oriente sur bleu-noir, soit on prend Gambling Mine et on se. Bah, quand on est noir, est-ce que c'est. Moi je connais pas trop les archétypes, quand on est noir, c'est bleu-noir le meilleur, est-ce que. Oui, enfin ça va très bien ensemble, c'est vraiment très fort. Si c'est ce qui va le mieux ensemble, on loupe une Gambling Mine qui m'a pas l'air non plus d'être la carte de l'année. Moi je serais là pour prendre un Spire Monitor. Allez, on part sur, on teste sur le bleu, surtout qu'on a pu passer énormément de bleu. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, il y a un agent, donc, mais bon. Un agent, c'est le petit bleu. Là, c'est le petit bleu okay. Qu'on peut regretter par rapport au Viral Drake qu'on aurait peut-être pour un first pick. Parce que du coup, ouais. Ça va très bien ensemble. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans le pack? On a. Ça, qu'est-ce que t'en penses quand on veut pas la couleur? Ça, c'est bien. Ça, c'est. Ce genre de carte qui me plaît, ça. Ce genre de carte que j'aime beaucoup. Non, ça, c'est bien et c'est l'avantage. D'être joué vraiment dans plein de. Même quand tu joues pas la couleur, tu joues Oui, souvent.
souvent. Ok. Sinon, le Miko Sanfin, quand tu joues Infect, Miko c'est l'unco verte. Ah, ok. Alors, en fait, c'est vraiment très bien, parce que si t'as déjà mis 5 Infect que tu passes plus, ben, t'as un plan de... Ouais, ok. Donc là, le pic, c'est soit on prend le... Il y a 5 secondes, dis-moi la carte avant d'argumenter. Prends la grosse. Ouais. C'est quoi, sinon, le choix? Le choix, c'était, sinon, ça aurait été de prendre l'artefact pour 5 mana... le 3-3 qui peut pour un noir ou enfin insurrection de ah ok ouais wow, on en aura des cartes qui font ça on en aura voilà mais c'était ouais bah ça j'avoue ça peut être ça peut s'orienter vers le genre de jeu voilà, où on veut exactement. Ça mais je pense c'est une carte que je jouerai tout le temps quand même c'est vraiment le genre de carte que j'aime donc beaucoup. Là on a encore beaucoup de cartes dans nos couleurs alors la shrine c'est la mauvaise celle là c'est la shrine noire elle est vraiment pas terrible mais elle est jouable dans certains ouais. matchups sinon il y a ce genre de petite carte t'en penses quoi surtout celle là c'est bien parce que ça te permet de creuser dans le deck ça donne des infos si t'as des cartes intéressantes comme Exarch tu la joues quand tu joues pas la couleur En 23ème carte, c'est très rare. Okay. Là, le pic, je pense que c'est Despise. Que c'est, ah, j'ai pas vu, je sais pas ce que ça fait. C'est une duresse noire pour créature. Ah, c'est Ostracize. Ouais, c'est Ostracize. Mais ça enlève aussi les Planeswalker. Bon, c'est anecdotique en limité, mais c'est quand même. Parfois, ça. Tu peux enlever des trucs assez rigolos. Ça fait un deck sympa, non, ça, comme carte. Ça doit être compliqué à faire, mais ça doit faire des bons decks. Espèce de poison rouge noir ou quoi. Ouais, voilà, c'est le problème c'est que tu vas avoir que des créatures infect rouges dans le premier pack donc du coup tu vas vraiment espérer avoir toutes les communes de Scars en infect. Ouais. Donc du coup infect est devenu trop compliqué. Ça se transforme vraiment en créature contrôle parce que ça bloque bien aggro. Là on va prendre un Vol Scourge. Ah c'est comment ça alors ça c'est correct, c'est pas extraordinaire dans bleu noir mais le du coup on s'oriente sur un jeu plus aggro là. Sur sur un jeu qui pourrait rentabiliser les Physalis de Scars. Les 2-2 pour 4 OK. Quel graph tu fais. Ah c'est un artefact. Ah c'est un artefact ouais, c'est pour ça. Ah ok, ce genre de bleu noir avec des petits drillers. Voilà, dans ce bleu noir qui ce bleu noir stupid driller où tu mets en face classique. Alors, qu'est-ce qu'on en relance pas? Alors, on va faire 157 000 de ça. Razor Swan, c'est vraiment une carte qui est relou à affronter. Ça, c'est très très middle. Bon, par contre, c'est 4-6 pour 6, et puis dans le format, les tons, c'est bien. Les grosses créatures, c'est vraiment fort. Qu'est-ce qu'on a sinon? Rage Restractor. Bon, de toute façon, là, le pic, c'est un des trappes à prendre ce. Survivor. Ce Razor Swan. Ah bah on l'a pris. Ah bah on l'a pris. Voilà, tant mieux. Alors, ah bah super, donc Psychic Barrier a fait la wheel. Ah ouais, c'est vraiment bien ça. Si on se rend compte que le bleu n'est pas trop open, ben on a une possibilité de jouer sur un rouge noir un peu contrôle avec la 2-1 First Strike Infect. Ouais, il y en a qui peuvent voler ou c'est trop tard? Non, c'est trop tard, mais parfois quand c'est totalement ignoré, ça c'est très moyen. Il faut vraiment avoir des cartes. Créature, you control. Ah, mais ça avait pas Mana Flare, c'était Mana Flare. Ça fait Mana Flare aussi, ouais. C'est Mirari's Wake en fait. Mais comme il y a pas trop de moyens de. On va prendre cette petite barrière parce que c'est le pick safe. Et puis si on joue bleu noir, c'est vraiment. Ça va ensemble. Donc le parasitique implant qui a fait la wheel, c'est vraiment. C'est supérieur à ça? Oui, c'est supérieur à ça. Parce que le truc, c'est qu'on est toujours pas vraiment fixé sur le bleu. Ouais. Et implant, c'est quand même très correct dans bleu noir ou dans noir contrôle. Oui, c'est une carte qui fait le cut quasiment tout le temps de toutes les façons, que ça reste un removal, même le removal pas top, on crache pas dessus. Voilà, exactement. Et puis et ça rentre bien dans bleu noir malgré tout parce que si on joue des vivisections, ça fait une petite synergie. Ouais. Bon, le pic c'est clairement barrière, ouais, barrière. Du coup le bleu est très open. Mm-hmm. Là on danse pas qu'on va. Il y a une batte qui est naze, mais on peut la prendre. On peut rentrer en side dans certains matchs. C'est pas la carte de l'année, mais de toute façon il y a vraiment rien d'autre. Non, ouais, je dis pas. C'est des cartes dégueulasses. À part War Report qui peut être un peu joué en. C'est quoi ce qui empêche de bloquer? Non, c'est le truc qui fait gagner des life en fonction du nombre d'artefacts, nombre de créatures. Là c'est les 3 cartes mortes. Laisse le scamp qui sera pris par un joueur rouge, je pense, cette daube. Le truc qui empêche de bloquer, ok, bon, il y a des gens qui. Ça peut être une carte qui peut être jouée. Ça ne fait rien. Bon, pour l'instant, en premier booster, quand même, avec beaucoup de cartes, le noir vraiment très open. On a une orientation noire. C'est rare d'avoir une orientation aussi fixe, aussi figée sur une seule couleur. Parce que les gens favorisent le premier booster pour prendre beaucoup d'artefacts et de cartes Phyrexian pour justement ne pas se fixer. Ouais. Là, on a quoi? Alors, encore un pack fourni. Alors. La rare qui est clairement une grosse carte, mais je déteste jouer ce genre de carte dans un deck qui n'est pas orienté poison. Ah, éventuellement se mini orienter poison. Il peut se mini orienter poison. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est 4-5 pour 4. Ah, et que ça peut être vraiment un kill à lui tout seul. Que si c'est pas géré, c'est vraiment, c'est vraiment plombant. Ouais, moi, ce serait ce que j'ai envie de prendre, je pense, dans le booster. Sinon, il y a vraiment deux Unco fabuleuses.
Mais le problème, c'est que... Ça, non, hein. Ça serait ambitieux, vraiment, avec le bleu. On s'est un peu fixé sur le bleu. Qu'est-ce que t'en penses de prendre ça? Le problème, c'est qu'il aurait, je pense qu'il aurait peut-être fallu qu'on pique à la place d'une barrière une wellspring, parce qu'il y a une wellspring qui va chercher des landes. Et que si on l'avait eu, peut-être qu'on aurait pu plus facilement s'orienter sur un rouge sacrifice. Donc le pic, c'est soit Mortar Post, soit Phyrexian Malmoth, je sais pas. C'est plus un jeu à Vatmod qu'un jeu à Mortar Post. Parce qu'en fait, Malmoth, je pense que c'est quand même une bonne carte de contrôle aussi. C'est 4-5 pour 4. Ouais, un jeu avec des contres comme ça, c'est plus un jeu où on va à Vatmod qu'un Mortar Post, je pense. Je suis sans être certain, c'est ce qui m'a l'air d'être. C'est une bonne remarque. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pack maintenant? Donc, Plaguemire, qui est vraiment bien. Parce que, en réalité, comme je l'avais signalé déjà dans la vidéo précédente, le format manque de drop à 2, 3. Souvent, on a des decks qui sont Plus lourds maintenant. Ouais. Comme il n'y a plus qu'un seul Booster Scars, on est trop limité en Mire. Donc, les Mire maintenant sont meilleurs. Je pense que c'est soit Sabotage, soit Plaguemire. Mais j'ai vraiment envie de prendre un Plaguemire. Le bleu est toujours archi open. Ouais. Et Sabotage, on en aura toujours plus tard. Je pense que Plaguemire, ça peut être un bon pick dans ce pack. Non, sinon, je fais passer un Warder Divine Offering, donc du blanc, beaucoup de blanc, un Emissary, un Stampede. Peut-être qu'on aura un Vedalken Infuser qui pourrait peut-être faire la wheel, qui serait Frost Plaguemire. Moi, je suis d'accord pour Plaguemire. Puis surtout que c'est une carte qui est poise, et puis comme on a pris deux cartes. Oui, on peut avoir un mini thème poise dans le jeu. Voilà, exactement. Alors. Qu'est-ce qu'on a dans ce pack? On a encore du rouge. Sinon, il y a bon, je pense la meilleure commune, une des meilleures communes bleues du format, qui est Quicksilver Desert. Ah ouais, t'aimes oui, beaucoup ça. C'est vraiment impressionnant. Quand t'es en retard, ça te redonne un peu de. Même dans le jeu contrôle, j'ai l'impression que c'était plus une carte de jeu aggro, une carte de tempo. Le truc, c'est que tu peux l'utiliser de cette manière, mais dans les jeux contrôle, quand tu fais un. Fin de tour, je te bounce une bête qui coûte cher et je remonte un pit driller pour tuer une bête. Avec des bêtes qui font du coming to play, ça peut être une carte intéressante. Sinon, il y a Morbid Plunder, mais qui m'a l'air plus dans le thème. Qui m'a l'air pas mal avec Exarch Pit Driller, c'est qu'on a un peu des cartes à coming to play et je pense que c'est deux cartes qu'on peut vraiment voir tard. Je pense que on a plus envie de prendre un Geyser actuellement. Un Geyser, ok. Bon, c'est vrai que mon avis est peut-être un peu faussé parce que j'aime vraiment la carte. Mais Morbid Plunder, on peut vraiment voir plus tard. Ok, je t'écoute là-dessus. Bonjour, que Plunder, mais bon, ça se tient comme. Dommage parce que on a un Geyser. Ouais, on a le deuxième Geyser là. C'est quoi le pic là? Alors en fait, dans ce genre d'archétype. Je l'aime plus trop lui dans ce jeu maintenant. Non, carrément lui, il est pas. Donc. Paradoxalement, l'exploit golem est une bonne carte dans ce genre d'archétype. Ouais. Je regrette juste de ne pas avoir réussi à récupérer un pristine talisman parce que ça rentre très très bien dans ce genre de deck. C'est un co commun, pristine talisman. Comment? C'est un co pristine talisman. Non, c'est commun. C'est commun. Okay. C'est commun. On a pu en prendre un dans le premier pack, mais on a pris quelque chose qui était mieux. Je crois que c'était le Spire Monitor. Ouais, j'avoue que c'est l'exploit golem, la carte qui est le plus susceptible de rentrer dans le jeu. Le problème, c'est que Geyser, c'est bien, mais deux, c'est un peu lourd. On a quand même. On a un peu de. On a toujours envie d'en avoir un, mais deux, si on a vraiment pas le deck qui va avec, c'est une carte qui est molle. Pourquoi on prend ce golem alors? Ça fait pas super kiffé non plus de prendre un golem. On prend ce Geyser, on aura un truc après. Ouais, il me plaise plus trop les packs là. Non, là c'est vrai qu'on a pas des cartes. Il y a ça qui se fait un peu de cœur, des cartes comme Mutagenic Grow qui font plus grand chose dans ce jeu, j'ai l'impression. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu contrôle pions maintenant. Flayer Husk qui est quand même. Correct aussi dans. Alors, on n'a pas un jeu à Flayer Husk du tout, non? Non, mais Flayer Husk c'est. Yvette, ouais, tout seul c'est assez bien, tu penses? Flayer Husk c'est quand même pas mal parce qu'en début de partie c'est quand même très correct et en mid-game ça booste tes créatures un peu clés. Et prendre une petite bête comme ça pour la curve parce qu'on a 0 curve à 3 ou est-ce qu'elle est trop mauvaise? Le truc c'est qu'il y a beaucoup de créatures à 3 dans Scars comme les réplicas, donc okay. Je pense que ce sera pas un problème. On a beaucoup de spells à 5. J'aurais pris ce serpent, mais on va prendre. Je pense que c'est Flayer Husk. C'est pas ce coup que ça rend. Non, ça c'est Flayer Husk. Moi je préfère prendre Flayer Husk. Moi je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est trop un jeu à Flayer Husk. Alors, c'est vrai que. Là on a. Ah, parce que c'est une section, c'est dommage. J'ai oublié qu'il y avait Mirsayer. Alors, le Corp Roller. C'est bien avec Pit Driller.
Et puis bon, c'est une carte infecte. Oui, voilà, ça file un petit sous-thème infect. Ouais, si on fait une petite orientation infecte. D'habitude, on a ça qui est bien rentabilisé avec le sous-thème infect. D'habitude, je déteste les decks semi-infect. Ouais. Mais peut-être qu'en bleu-noir, ça peut être. Ouais, une ça solution. Me dérange pas trop. Ce genre. Par exemple, ce Spider Monitor va être isolé. Ça me dérange de me lancer un infect. Le seul avantage de Prowler, c'est que ça peut vraiment faire un petit plus avec notre Pidriller. Peut-être qu'on va récupérer un -1/-1 un ou deux plus tard. Je pense que c'est supérieur à Mirsayer Je pense que c'est supérieur à Mirsayer parce qu'on a droppé la vivisection. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, Morbid Plunder tourne bien, on peut en récupérer facilement. Et même si c'est une carte de bête et que normalement on est gavé de cartes pour la fin de partie. Oui, voilà, c'est plus des petites bêtes qu'il nous faudrait maintenant de quoi tenir le début de partie ou mettre un peu de pression même vu qu'on a deux Geysers. Ouais. C'est que sincèrement, quand on voit comment s'est orienté le début du draft, je regrette un peu ce viral Drake first pick. Ah bah oui, du coup, ça aurait été, mais bon, ah oui, ça on peut pas savoir, hein, c'est le hasard. Normie Plunder, bon là c'est clairement le pick. Hein, ouais, là c'est Plunder. Bon, maintenant il va nous falloir des bêtes, ça c'est une priorité. Ouais, maintenant il nous faut des bêtes. Et Norocommando ne répond pas à nos attentes. Ah, éventuellement, hein, si on a vraiment besoin, on va le prendre. Ouais, de toute façon, il y a rien d'autre chose. Préférer ne pas le jouer. Donc, bon, Exploit qui tourne encore et Vivisection. Ah, la wheelée. Ah oui, l'avantage de Vivisection, c'est que c'est synergique aussi avec Flayeresque. Mais bon, on a décidé de drop la vivisection. Ouais, c'est plus un jeu à exploit, je dirais. On va prendre exploit. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu perdu dans le jeu. Voilà. Là, bon, le level que l'infusion a fait trop. La wheel, mais bon, ça. On a toujours zéro combo. On a zéro combo, on est. On peut récupérer peut-être 2 ou 3 Shrikorn sur les 5 derniers picks. Éventuellement, ça peut se négocier. De toute façon, il y a un autre. Sinon, il n'y a rien d'autre. On sait jamais. Et 2-1. De toute façon, il n'y a rien d'autre dans ce pack. Non, mais je rigole, mais je trouve pas ça complètement inenvisageable non plus. Comme on a 2 Geysers déjà. On va le prendre. Je contre-draft pas. Je le prends, c'est jamais. Mais j'ai oublié s'il y en avait. Décidément, le bleu, c'est vraiment la couleur qui n'est pas jouée. J'aurais peut-être pris cette Phyresis pour enchanter notre exploit de golem. Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Non, mais on se barre 5 minutes et les drafts ils partent en couille quoi. Bon, un Shrikorn c'est pas assez, non. Il faut peut-être récupérer un Trinket Mage sur le Booster Scar. Ah, avec un Trinket Mage, je le cache pas. On aura 2 targets avec Flayeresque, ça va être cool. Ouais. Bon, on va revenir un peu sérieusement. Il me plaît pas particulièrement ce jeu. Je te l'avoue, il y a quelques bonnes cartes. Le problème c'est que. C'est toujours la même histoire. C'est on décide de faire spiquer un Phyrexian Nouvelle Moteur. Et puis du coup après on veut prendre un peu des cartes infectes. On est semi infect. On est. Ouais, j'ai l'impression que c'est facile de se perdre dans ce format, de prendre des bonnes cartes et au final de pas s'orienter vers un archétype. Et j'ai l'impression qu'il y a des formats où c'est pas grave, mais j'ai l'impression que dans ce format c'est grave en fait, que les tas de semi bonnes cartes. Ou alors il faut être archi-discipliné. Ah tiens, ouais. Les tas de gumball cartes, ça gagne pas trop, mais bon, au bout d'un moment... il faut être archi-discipliné et puis vraiment se rédigner de prendre des cartes qui vont pas dans notre archétype. Et puis ne pas jouer mi-fig, mi-raisin, il faut vraiment se lancer dans le même truc. Bon, KLB a été un peu vénère sur le pic, j'aurais voulu voir un peu ce qu'il y a dans le pack, c'est vrai qu'on a été absorbé par Scorniflex. Ouais, il y avait un trigon rouge, j'ai vu un trigon rouge. Ouais, bon... Bon, c'est le Carniflex, clairement, c'est vraiment le pack et le boost, le pire. Il y avait un Vampire 4-3 aussi qui a peut-être wheelé. On verra. Bon, en tout cas, Carniflex donne une petite dimension intéressante à notre deck parce que on était un peu perdu et. Donne une petite dimension intéressante. Yeah, c'est plutôt. Yeah, on a un spoiler. Ah, on est plutôt content. Je l'aime pas lui. Je sais pas pourquoi je l'aime vraiment. Non, mais lui. Dans l'archétype, par exemple, le rouge noir aggro, il est. Ou rouge blanc noir aggro maintenant. Ah ouais, ça existe ça. Ouais, blanc noir, c'est devenu un truc un peu à la mode. C'est vraiment une. C'est un bon petit drop. Ça fait un peu de Metalcraft. Et c'est. Et puis mine de rien, avec des équipements, c'est. Ah, mais j'avoue, le bleu noir Metalcraft dont tu as parlé qui rentabilise les Quicksilver. Quicksilver s'appelle le dragon. Lequel de. Je sais plus, le 2 de Metalcraft. Ça m'a l'air sympa comme principe. Ouais, non, c'est cool. Non, en fait, c'est le 2-1 Fly Phyrexian qui est artefact et qui est bleu. Ah, ouais, aussi, ouais, ça doit être un archétype. Mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de monter de bons jeux aggro avec. Non, ouais, c'est. Bah, d'ailleurs. C'est bête Phyrexian. Au dernier. Pro Tour qu'il y a eu en limité, il y a un archétype qui a été un peu mis en relief par Fujita.
Il joue bleu-rouge en piquant très très haut des solitaires. Et il joue bleu-rouge sauce évasion. Ouais. Et il aime. Et il a fait 6-0 en draft en draftant deux fois cet archétype. Non, faudra essayer, ça a l'air vraiment sympa. Bon, là. Alors le pic, c'est soit Rustic. Après, Rustic en a 3 parce que moi ça me fait mal ce trou comme ça dans la charge. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis il faut des bêtes. Et Rustic, c'est le genre Rustic de bête qu'on aime bien dans le jeu. Mais ça va être une Rustic. Quand on prend cette Rustic, je pense qu'il faut vraiment. Vraiment mettre de côté l'aspect infect. Oui, parce qu'on a un mini aspect infect. Parce qu'on a Enslave, Carniflex, Exploite, Spire Militant, voilà. Pitrilla, on a des bonnes bêtes qui sont pas infectes. Tu comptes ajouter, c'est pas une bête, même quand tu joues pas forcément beaucoup d'infects, c'est pas une bête horrible dans l'absolu, tu vois, c'est chiant, mais quand même en défense et en bon. Enfin, c'est très, enfin, il est quand même très correct ce Rustic. Oui, Rustic est bien, bien meilleur. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster? On a un Mire Vert. On a un Mire Vert, franchement, je l'ai vu tout de suite et il a l'air très très bien. Parce que on va peut-être pas aller jusqu'à très très bien. Bah, le truc c'est qu'on on a besoin de mana et c'est c'est le pic. Ouais, là c'est bien. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait eu à part un jeu extrêmement bon, content de le jouer. Ouais, ça non. Hein. Sinon dans le bleu noir Metalcraft, le Certar qui correct aussi. Ah ouais, mais il doit être frais ce jeu. Il est vraiment pas mal. Bah on pourra tester dans un prochain draft. Sûrement un peu plus intéressant que celui-ci. Bon, oh, Mirevert, alors pas c'est... Pas ouais, pas bon, non, Mirevert. C'est Mirevert. Ah, c'est pas le bon, on en fait rien, de toute façon. C'est... Ouh. Ah, voilà, il y a un peu du backup. Ah, il fait plaisir, ce pack. L'avantage de jouer bleu dans ce format, c'est que... ouais, c'est que c'est open. C'est que c'est open, et que on est... Alors, on n'a pas non plus un bleu de port, hein. Enfin, là, ça s'améliore. Non, bien, on n'a pas un bleu de port, mais on a quand même des cartes bleues qui sont... ouais. Qu'on a quand même... pris super tardivement, c'est vraiment très représentatif d'un bleu qui est droppé à mort dans sur cette table. Donc Bolton Rain, c'est clairement la meilleure carte et c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir ça. Fait deux contrôles magiques, un Carniflex, oui, le deck Carniflex, quand ça, oui, commence vraiment à prendre une bonne tournure. Bah, normalement c'est le contraire, mais là le Pack Scars il a bien sauvé le jeu. Bah Steel Infection qui est le type de carte qu'on veut dans ce genre de deck. Voilà. Un cantrip un peu cher, mais c'est la curve me plaît pas trop, mais bon, c'est pas la fin du monde. On peut espérer avoir un deuxième mire pour. On a déjà deux, hein, on a le vert et le plague. Ah, ouais, on a le plague, ouais, pardon. Désolé. Voilà, ça suffit de. Ouais, quoique si on en a trois, on pourra en jouer trois éventuellement dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Fume Spitter. Tide, ça m'a l'air d'être. Ouais. Tide, c'est trop ambitieux. Non, Tide, ça fait rien, ça fait plus rien. C'est dommage, c'était vraiment la carte la plus monumentale à jouer. Sincèrement, si on était parti infect avec Viral Drake, on aurait un bon deck de port, c'est clair. On aurait un deck sympa. Le problème de partir sur Viral Drake infect bleu, il faut avoir. Il faut que ça se passe bien. Il faut surtout qu'on récupère un assez bon nombre d'agents. Ouais, ouais. Parce que du coup, on va être. Parce que agent, c'est un drop à 2 qui est du niveau de Plextinger. Ouais, bah ouais. Et c'est très important. Je pense que c'est Fume Spitter. Ah ouais, sur Scale School. Ouais, parce que Fume Spitter, ça rentre bien avec Morbid Ponder. C'est le genre de carte qu'on a envie d'avoir en début de partie. Sincèrement, on n'aura pas de problème pour tuer dans ce deck. Et Scale School, c'est. Moi, je prendrais Fume Spitter. Moi, non, je suis d'accord. C'est. Donc là, Plextinger, c'est assez. Et c'est bien même tout seul dans ce genre de jeu alors? Bah, ça va être mieux qu'un Volskirch quand même. Très très moyen. Quoi que t'es peut-être pas quand même, non? Non, même pas. Moi j'ai déjà joué Vector Asp avec Trinket Mage dans le deck control pour avoir un. Mais bon, c'est très très middle. Sincèrement, le pick, je sais pas ce que c'est. Bah, et c'est un Stinger, hein, de toute façon, y'a rien d'autre. Ou alors on peut enlever une Wing Puncture pour. C'est un peu fatigué, je reconnais. On va prendre ce Stinger. Ah, un petit Stinger. On verra. Ça existe plus les rouges noirs aggro. Si, ça existe encore, ouais. Si. D'ailleurs, rouge noir, c'est le meilleur archétype du format. Ah ouais. Mais ils sont un peu super moins aggro avec les drosses. Je suis pas vraiment d'accord sur le fait que ce soit le meilleur archétype du format, mais en tout cas, c'est l'archétype qui existe vraiment. Parce qu'il y a une commune importante qui s'appelle Mortis Dog, ouais. Non, New Flag, qui est vraiment, vraiment impressionnant. Mm-hmm. C'est le genre de carte qu'on rêve d'avoir dans rouge noir aggro. Et bon, qu'est-ce qu'on pique là-dedans? Moi je prendrais ce Drosshopper parce que selon le match-up, on a envie d'avoir une bête à 2 de force tôt dans la partie. Je pense pas qu'on le rentre quand même. On verra. Ça c'est pas mal, non? C'est pas si mal, c'est très underrated, je trouve. C'est une carte de side. C'est clairement. Bon, je pense sincèrement, c'est le pick. Je prendrais pas une tête. On était pas loin, mais là on a vraiment pas assez d'infect pour soi un plan. Non, il en manque pas beaucoup, mais non. Je suis parti pas trop triste, mais je vais aider ce Shrekorn.
Deuxième instill tranquille. Oh, ça m'a l'air bien, hein. Ça m'a l'air bien. De Chrome Seed, qui est vraiment le type de carte qui est bien aussi dans les decks. Ouais, dans le bleu noir, bleu noir ou bleu rouge Metalcraft, où il y a beaucoup d'artefacts. Oui, là c'est clairement instill, on jouera pas sur Chrome Seed. Du coup, on est très content d'avoir nos demi. Ouais, ouais. On passerait pas sur un troisième, mais c'est trop tard là. Ce gobelin, on va ce gobelin. Oh, c'est monumental, ça, on va jouer ça. Très très bonne nouvelle, ce 6 Rider. Absolument parfait, je comptais pas sur sur le Fiki Wheel. Un scout. Hein. Un scout. Bon, au final, ça s'est bien rattrapé. Pas... ça s'est bien rattrapé, mais pour toujours les mêmes raisons. Parce que on parce joue que le bleu est open, ouais. Et même si on n'a pas beaucoup de cartes bleues, on a quand même des cartes bleues qui sont super fortes. Mmh. Je pense que peut-être en début de draft, on aurait pu peut-être un peu mieux analyser les packs et. Je pense pas qu'on ait fait un draft parfait. On va partir sur l'archétype. J'ai l'impression que c'est important de partir vite sur. Enfin, de savoir quels sont les différents archétypes, les meilleurs archétypes, et de dire vite, je vais partir sur celui-là. Plutôt que de prendre des bonnes cartes et de dire, on verra plus tard. Parce que quand t'arrives au moment de te décider, t'arrives au pack Scars où il y a que de la merde, et au final, ton jeu, c'est un tas de bonnes cartes. Voilà, elles sont vraiment bonnes, donc. Donc, on a au final un bon jeu, mais je pense que souvent, t'y a pas le Carniflex, t'y a pas le Voliton. Et t'as ce genre de jeu bâtard qui est pas très bon au final. Mais là pour le coup il est vraiment bien. Un petit problème de curve peut-être, mais si le format est plus lent maintenant, ça devrait c'est jouer tout le temps ça, oui je suppose. Oui, ça c'est très très bien. Infuseur probablement pas, vivisection je pense pas, le deuxième geyser on verra. Ça oui, tout ça je pense pas, Volskir on verra mais je pense pas. Ça non, ça a priori oui. Je sais même pas si on a cette bête, on verra. Ça ouais, paraît-il qu'un plan. Je pense que ça rentre bien dans le deck. Ouais, faut que t'aies un truc de la curve à 4. Bon, je le mets pour l'instant, on verra. Ouais, on verra. Ça non, ça oui, ça oui, ça oui. Flayer Rust, ça te plaît toi alors? Ça te plaît beaucoup? Bon, je le mets là, on verra. On met de côté, on verra à la fin. Ça, Corproller. Je crois que c'est ça qui rentre. Ça qui cutera la curve à 4. Ouais. Mutagénique gros. Bon, on verra, je vais mettre de côté tout ce qui est, tout ce qui est éventuellement rajoutable. Exploit c'est bien, ça fait toujours quelque chose. Exploit c'est bien, mais ouais, mais je le kiffe aussi. Quand tu le poses sur la table, c'est vraiment, ça bloque tout. C'est. Tu joues combien de lampes dans un jeu comme ça? 17? On a 2 mires. Ouais, 2 mires 17. Je jouerai pas moins de 17. Et j'ai pas envie de jouer 17 avec 18, 2 ouais. Mires. Ouais, 2 mires 17, c'est bien. Et généralement, j'ai toujours un mire, un talisman. Parce que le talisman, c'est curve à 3 et c'est tellement bien. Ouais, j'ai talisman dans le jeu, putain, c'était vraiment bien. Je suis déçu, on a pas réussi à avoir ni une réplica bleue, ni une noire. Et ça aurait été les deux auraient été vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a là? On va sûrement jouer. Je sais pas, on va voir, on va se rendre compte par rapport à la curve. Alors, ça va pas être Turn Aside, c'est sûr. Ça me paraît assez évident. Je pense que ça va pas être Mutagenic Gros qui n'a rien à foutre dans ce jeu. Si on a 11 bêtes et c'est pas un jeu qui fait des combats de créatures quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je suis d'accord, ça va pas être très, très important. Soit. Est-ce qu'on a une mini combo avec ça? Non, parce que c'est le genre de carte que j'aime. Un 4 on a une tier 4 qui est déjà très lourde. Ouais. Soit on décide de jouer Morbid Plunder parce que ça récupère des créatures qui sont quand même de super qualité. Ouais, mais on a. Même peu si. Ouais, bête, mais même, ouais. On la considère comme vraiment comme carte de late. Soit on décide de jouer Flayer Husk, Volskirge et Vivisection. Et on fera des trales pour aller chercher nos contrôles magiques et nos Carniflex démons. Je pense qu'on peut. C'est soit on s'oriente là-dessus, soit... Ça, vu comment tu la présentes avec tout l'enthousiasme, là, ça m'a plu comme plan. Alors, je pense qu'on va faire comme ça. Parce que Volskirge, mine de rien, une fois qu'on a posé un Valmoteur et une Rustic ou un Pit Driller, le board est quand même assez bien contrôlé. Ouais. Et puis Volskirge, ben, il fait chier. Si on joue Flayer Husk aussi, ben équipé de Flayer Husk, ça devient un truc plutôt menaçant. Ah, je suis d'accord pour essayer. C'est. Je l'aime pas trop comme ça, mais j'ai jamais joué. Sincèrement, c'est. J'essaie de trouver un peu des arguments, mais c'est vrai qu'il faut le dire dans ce deck, il est vraiment très 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 moyen. Ouais. Je suis un peu frustré quand même de pas jouer Plunder parce que. Alors ça serait
Ce vivisection, si on avait une bête en plus, ça commence à devenir pas génial. Je vais intervenir dans ce draft parce que ça va pas du tout. Ouais. On dit qu'il faut jouer des Volskirs, j'ai des Flayer Husk, vous avez un Morbid Plunder, c'est juste totalement ultime quand vous avez des gros kills et des spoilers. On a peu de bêtes. Bat Modern, rien qu'un 3-3 fly, même les Pit Driller, c'est ultime. Et donc en fait, Plunder, comme dit Coluche, quand vous avez pas de bêtes, ben, ça fait deux bêtes de plus dans votre jeu. Le truc, c'est que c'est une carte de super late game. Et c'est pas vraiment un truc qu'on a besoin, de carte de super late game. Là, c'est pas vraiment le genre de fonction qu'on veut d'une carte. Honnêtement, si c'est pour récupérer un Fume Spitter et un Coppermere Tour 8, je suis pas vraiment très. Je pense que je suis pas très convaincu. Non, moi, c'est pas envie de Plunder, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais dans ce jeu. Joue au moins ce Geyser. Le deuxième Geyser. Ah, c'est le deuxième ? Oui, c'est le deuxième Geyser. On a déjà une carte dégueulasse, c'est ça le problème. Ça rattrape justement les cartes dégueulasses. Je sais pas, Volskir, je sais pas à quel point c'est mauvais. Non, en fait, la seule raison pour laquelle je veux rentrer Volskir, c'est que ça permet de rentabiliser un minimum vivisection. Mais il y a une Rogue Commando aussi qui est pas du tout injouable pour le coup. Tu veux faire demander jouer Rispal là. Bon, alors on fait rentrer une Rogue Commando et on rentre ce deuxième Quicksilver Geyser pour un jour faire un cantrip. voilà. Non? Si. Le seul argument du recommando, c'est que c'est Curva 3. C'est oui, voilà, c'est Curva 3. Moi, j'aime pas, c'est pas joli comme ça. Regarde le jeu, il est pas joli, il y a un trou. Parce que tu vois, tu marches, il y a un trou par terre, c'est pas joli. Le Morbid Thunder, c'est pas de la carte. Le Morbid Thunder, c'est triché en fait. C'est, tu vois, t'as l'impression que quelqu'un a bouché le trou, mais en fait, c'est de la paille dessus. Bon. Soit on peut jouer Neuro Commando parce que Neuro Commando Volskir, non, Neuro Commando Flayer Husk Vivisection. Comme ça, Neuro Commando, quand on sait qu'il passera plus, eh ben on fera trail. J'aime pas trop avoir autant de cartes à deux bleus et des cartes à deux noirs. Ah ouais, mais là on a pas le choix. J'aime pas trop, je préfère jouer 10 vilandes dans ce genre de jeu. Ouais, mais non, la 17, ça, on a deux bières. Et que t'es un mire pour mettre un land de plus ça. Non, ça me paraît pas ridicule. Ça me paraît pas ridicule, mais bon, Mir, c'est juste que ça accélère, quoi. C'est ouais, c'est voilà, le problème, c'est qu'on a en plus d'avoir toutes ces considérations de beaucoup de mal à colorer, on a une carte dégueulasse et on aimerait bien faire, vu qu'on n'a pas de drop tour 3, tour de Mir, tour. Voilà, c'est ça. Tour 3, ouais, drop tour 4, du coup, on peut pas vraiment virer un Mir. Même si dans ce genre de jeu, je préfère jouer 18 ans d'un Mir d'habitude, là, on peut pas trop parce que pas de curve à 3. Bon, c'est une recommandation, on l'a accepté, mais je suis même pas sûr. Hein. Bon, allô, c'est vous qui connaissez le format là. Non, honnêtement, non, je pense qu'il faut jouer Snow Commando. Ah ouais, allez. Et vivisection? Ouais, vivisection. Ouais. Pour le token parasite implant? Pour le token parasite implant et pour elle aller. Est vite fait. Oh, on a deux mires, mais bien sûr, on a deux mires. Voilà, pour vivisection. Du coup, Flayer Husk, ça peut être cool avec vivisection ou Volskir, une des deux. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai jamais joué une Volskir, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que. Dans ce deck, ton cœur, il te dit quoi? Dans ce deck, c'est moyen. Et en même temps, Flayer Husk, c'est. C'est moyen dans beaucoup de decks, quand même, j'ai l'impression. Non, dans des decks aggro, c'est bien, parce que c'est artefact. On a un Signor aussi. Un... Je sais pas ce qu'on peut en faire. Mais... On n'en fera rien, je pense que ça restera en side. Non. En fait, on n'a pas tant de drop à 4 que ça, parce que Insteel, c'est des faux drop à 4. Parasite implant, c'est pareil. Oui, c'est pas des drop à 4, mais c'est des trucs qui te pompent la main pendant les 3 premiers tours quand même, tu vois, c'est du drop de late. Ça compte dans le drop de late, tu vois, si on n'est pas à 4, on le met plus loin et c'est pire. Il y a lui aussi. Enfin lui. Il est un peu partout. Bon, une carte en plus. Le truc c'est que si on joue Vissection, je pense qu'on est obligé de prendre soit au moins Flayer Husk, soit Volskir, soit peut-être même à la rigueur Corpcrawler. Et mais sinon je pense que c'est vrai que peut-être que c'est un peu décevant de pas jouer ce Morbid Plunder. Bah, ça me pose pas de problème éthique, moi. Moi non plus, c'est juste qu'on subit une pression là des fanatiques de Morbid Plunder. Ouais, mais j'aime beaucoup, mais dans ce jeu, ça me pose pas de problème de pas le jouer. Passion, vous êtes des fiches, hein. On assume, hein. Eh, Flayer Husk, allez, tu es grand. Allez, c'est bon, allez. 9-8, ça a l'air crédible. De toute façon, ce sera forcément 9-8. Sur ces 9-8, et de toute façon, c'est bloqué en plus. Ouais, donc 9-8. C'est triste. Ah, sinon, c'est 17-10 bleus, mais 9-8, c'est mieux. 9-8, c'est mieux. Ouais. Voilà, bah, merci d'avoir regardé ce draft et on revient tout de suite pour le quart de finale.